Parmi les contraintes que vit un groupe musical, il y a le manager. Elle avait un petit je ne sais quoi. Si tu es juste en bas, et je ne peux. Non, arrêtez les gars. Qu'est-ce que ça ? Il y a quelque chose qui va pas, on dirait. Le dernier bout, il était pas assez chanté. C'est peut-être ça, ouais, on reprend. Elle avait un petit je ne sais quoi. Si tu es juste en bas, et je ne peux le lancer. Arrêtez les gars. Ça, c'était parfait, mon vieux. Ouais. C'est mieux, hein. Le manager, il arrive con. Alors, on a des contrats ? Non ! Ça peut plus durer, on n'a pas de contrat et on crèche dans des niches. Ouais, il est temps que tu nous déniches un contrat. Ouais, facile à dire. Ta gueule. En passant, j'ai fait écouter notre maquette à Ophélie Winter. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'elle serait la première partie de notre spectacle. C'est vrai, elle ferait notre première partie ? Ce qu'elle voulait dire, c'est que si elle allait à notre spectacle, elle serait la première à être partie. Hein ? J'en ai marre, si personne veut de notre musique, pourquoi est-ce qu'on n'accompagne pas un chanteur ou une chanteuse connue ? Bah qui ? Mylène Farmer ? Elle voudra pas de vous. Bon, ça veut dire quoi ? Qu'on est bon pour la casse ? Non, Patricia ne voudra pas de vous non plus. Bon, bah alors. Les gars, pourquoi vous essayez pas en anglais ? Ouais, j'y songe à l'anglais. Oh non, si vous voulez faire des trucs en anglais, vous pouvez m'oublier, hein. Il faut relancer nos dés. Ouais, au fond. C'est pas bête. Je vous préviens, si vous faites ça, moi je me tire. T'as des contacts ? Bah, c'est pas sorcier. Je préfère foutre le camp que chanter en anglais. Je vais m'y mettre. Je connais quelqu'un qui. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Je vais m'en aller. Il y a qu'à ouvrir un dictionnaire anglais. Je suis parti, les gars. Mais tu peux te faire aider aussi. Je suis chez moi en ce moment. Mais je te refilais le nom d'un traducteur. Trois semaines ont déjà passé, je suis toujours pas revenu. On aurait commencé par se faire voir dans un club là-bas. On est 10 ans plus tard et je suis caissier chez Quick. Tu t'imagines un jour se retrouver sur le billboard ? Mais c'est bien beau tout ça, le billboard, les Américains et tout, mais qu'est-ce qu'on fait de l'art ? Ouais, mais c'est ça qu'on veut faire, des dollars. Et puis je t'avoue que j'en ai un peu marre de te voir aller partout avec ta serviette et que ça donne rien. Mais écoute, d'ailleurs, tu devrais enfiler un pantalon. Je sais bien, mais cette serviette est la seule chose que je trouve quand je sors de la douche. Salut les gars, je suis de retour. Bon, attends, avant de changer de cap, je vais te faire écouter ma dernière composition, d'accord ? Vas-y toujours. 9, 10, 11. C'est pas facile quand ta femme veut te quitter. Et qu'elle te dit quand t'es en train de tomber dans l'escalier. Dans ce temps-là, tout ce que t'entends, c'est boum, crac, crac, pipi, bam, bang, boum, boum. Je te quitte, bam, bang, boum, boum, t'es qu'un salaud, bam, 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 bam. Je retourne chez ma mère, bam, 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 Bah, je trouve ça un peu simple. Bon, tu vois, c'est ça que je reproche à tous les managers. Pourquoi bah, tu dis ça ? Parce que c'est pas ce que je viens de jouer ici que tu devrais entendre. Tu bah quoi alors ? Tu devrais entendre les cordes, tu devrais entendre les cuivres, les chœurs, tu devrais entendre toutes ces choses. D'accord, tiens, ça c'est le bilan financier de ton groupe. Mais on est vraiment dans la dèche ? Mais c'est pas ce que je te montre ici que tu devrais voir. Hein ? Tu devrais voir des châteaux, des voitures de luxe et des dîners chez Maxime. Ah, va chier.